Attention, cette vidéo est un avis donné par l'orateur. Il n'y a en aucun cas un avis que tout le monde doit penser ou adopter. Donc ne mettez pas de commentaires offensants ou blessants car vous n'adhérez pas à l'avis. Cependant, vous pouvez toujours mettre votre avis dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Et bonjour à tous, c'est Bibou Fan pour un nouvel avis du jeu. Aujourd'hui, j'ai innové un petit concept. C'est pas faire un avis du jeu sur un jeu récent, mais sur un ancien jeu que j'ai. Et aujourd'hui, on s'attaque à Pokémon Channel, sorti le 1er avril 2004. Quelle blague! Édité et développé par Nintendo, et son style, c'est autre. Il est jouable uniquement en solo, et il est pour tout public. Et c'est parti! Alors, d'abord, graphiquement, le jeu est vraiment... Il est pas moche, il est pas joli, on a vu mieux. Musicalement, ça va, c'est appréciable. Les sons sont bien reproduits et les sons de Pokémon ils sont bien. Niveau jouabilité, bah, la prise en main est assez facile. Et sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur le scénario. C'est vraiment pas formidable. Mais passons tout de suite au vif du sujet avec le titre du jeu, c'est-à-dire Channel. Parce qu'en fait, c'est un simulateur de télé. Et je trouve ça assez rigolo quand même l'aspect on joue à un jeu qui lui-même joue, enfin, regarde la télé. C'est assez métaphysique, mais voilà. Bon, au niveau des chaînes, il y a tout ce qui est classique. On retrouve les jeux télé, les téléachats, les séries télé, et surtout le vif du sujet, c'est-à-dire le dessin animé Pichu et Pichu. Alors, du point de vue du dessin animé Pichu et Pichu, c'est assez sympathique. Après, est-ce que ça vaut un vrai film Pokémon ? Clairement pas, mais voilà, c'est un bon dessin animé. Et sinon, c'est un peu maigrichon comme jeu, en fait. On peut jouer avec les Pokémon à l'extérieur, c'est-à-dire avec des quiz, ou chercher des cartes Pokémon, voire explorer des nouveaux environnements pour découvrir d'autres Pokémon et faire des petites énigmes, entre guillemets. Mais surtout, le but, c'est d'interagir avec Pikachu, de devenir son ami et de regarder la télé. Donc, en gros, le jeu n'est vraiment pas formidable. C'est un jeu que j'ai reçu assez tôt avec la GameCube. Et pourtant, la première fois que j'y avais joué, je l'avais trouvé super bon. Mais c'est vrai qu'avec le recul, le jeu a quand même l'air d'une grosse blague. Le principal intérêt de Pokémon Channel, c'est surtout Jirachi. Parce que oui, c'était le seul moyen d'obtenir un Jirachi. En tout cas, dans la version PAL, je crois que dans la version américaine, ils n'avaient pas la chance d'obtenir un Jirachi dans Pokémon Channel. Mais nous, on a pu avoir la chance d'avoir Jirachi si on finissait le jeu. Bon, après, le jeu n'en reste pas désagréable. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que, c'est pas vraiment un jeu, c'est juste un simulateur de télé. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu. Mamibou, est-ce que tu as une petite anecdote? Eh oui, j'ai une anecdote! Je trouve quand même que les télés sont vraiment pas formidables. Parce que oui, on peut choisir sa télé qu'on veut utiliser. Il y a des télés sous forme de Pokémon. Miaouss, Granivol, des télés classiques... Mais c'est pas formidable parce que certaines télés rendent vraiment les émissions juste horribles à regarder. C'est comme si on avait fait bugger notre vraie télé. Je pense que ce jeu est juste un jeu de détente si on a du temps à perdre. Et pourtant, je pense qu'on a plus de chances de perdre du temps de façon logique avec d'autres jeux genre Super Smash Bros. Qu'avec Pokémon Channel. Après... Si c'est pour tenter une expérience, pourquoi pas? Voilà, c'était ma petite anecdote. J'espère que ça vous aura plu. Et je te redonne la main, Boubou Fan. Merci, Mamibou. Pour finir, Pokémon Channel, même si c'est pas un mauvais jeu en soi, c'est quand même un jeu qui a réussi à m'étonner sur un point, c'est la durée de vie. Parce que le jeu nous force quand même à regarder, mais pas regarder en boucle. C'est un jeu qui se fait petit à petit sur la durée, en fait. Parce qu'on reçoit des événements au fur et à mesure des jours dans la vraie vie. Donc, ça, c'est quand même un bon point positif, même si l'intérêt du jeu reste quand même minime. Je crois que le jeu peut durer facilement une semaine. Oui, une semaine! Quand on pense que certains jeux se finissent en 5 heures, c'est
pas mauvais quand même. Et en plus, vu le prix sur internet, bah ce jeu risque d'être une perle qui va être très difficile à trouver en promo. Après, si on trouve en pas cher, je pense que c'est quand même une occasion de tester quelque chose. Un peu comme Hey You Pikachu qui est jamais sorti en France. Donc si vous aimez les jeux un peu bizarres, ou que vous aimez vraiment Pokémon, mais vraiment vraiment beaucoup, bah Pokémon Channel, ça peut être un bon achat. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment à la hauteur d'un Mario Sunshine ou d'un Pokémon Colosseum? Clairement pas. En conclusion, Pokémon Channel, c'est un ovni de la saga Pokémon. Un jeu qu'il faut tester, ou pas en fait. C'est selon votre point de vue. Et voilà, j'espère que cet avis du jeu vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain avis du jeu, qui arrivera en fin de mois. Et ça, je vous le dis pour sûr, parce que c'est un jeu que j'attends avec impatience et que j'ai hâte de vous donner votre avis. Mon avis. Et j'ai hâte de lire votre avis aussi. D'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve dans les let's play, dans le prochain avis du jeu, ou peut-être dans un emotion play. D'ici là, portez-vous bien, et salut à tous !